Chers amis, bonjour. Nous sommes à l'extension nord du Port-Est, près des silos céréaliers. Et l'on regarde en ce moment les dragues qui fouillent le bassin pour agrandir en profondeur, pour que bientôt la méga barge Zurit ici présente puisse se mettre le long de ce quai ici qu'on est en train d'approfondir. Pour récupérer ce qui est ceci là, les futurs piliers de la route littorale qu'il faudra transporter, grande chaloupe, possession. C'est là-dessus que s'appuiera la route, sur ces piliers. Donc dans un mois et demi, le transport va commencer. Mais il y a encore donc quelques finitions à faire au niveau de la profondeur et c'est pourquoi on creuse. Allez, vas-y ma grande, creuse. Alors, il y a du mouvement dans le coin, hein. Beaucoup d'engins maritimes déjà, des dragues, des barges, des plateformes. Alors, au loin, il y a des grues là-bas qui travaillent aussi au bas des silos céréaliers. Voilà donc la barge Zurit, l'Octopussy. Allez, au niveau des engins, ça continue. Là-bas aussi, une barge avec une grue, une petite drague de couleur, un petit bateau. Et plus loin encore, ce bateau-là qui transporte du matériel près de la jetée nord du Port-Est. Bon, on va tourner autour de ce spectacle pour se trouver dans le prolongement de l'avant de la méga barge Zurit tout à l'heure. Pour cela, on va aller de l'autre côté de la grue qu'on voit ici. On aura un autre point de vue donc. Allez, on file. Ou presque. Un petit regard sur le MSC Carolina là-bas. Les portiques sont en train de s'abaisser, il vient d'arriver et il va être déchargé bientôt. Un petit regard sur les hauts de la Réunion. L'entrée du cirque de Mafate. Les hauts de la Possession. Voilà donc les fameux piliers. La construction commence comme ça. Voilà donc ces fameux piliers en construction sous nos yeux là. Ceux qui sont déjà fabriqués. Et voilà encore d'autres là-bas.
La pluie s'invite dans les ravines. On termine dans l'axe de la...